danses de Fortnite, des danses que je ne maîtrise pas du tout, qui sont pas mal utilisées, qui sont assez drôles. Je me suis d'ailleurs amusée à faire un musical.ly qui sortira la semaine prochaine dessus. Mais en attendant, on va se les faire entre nous et on va rigoler. Je ne suis pas du tout une danseuse pro, je ne suis pas du tout une sportive, donc ça va être génial. Je vous laisse mettre un pouce bleu d'enthousiasme, de soutien, parce que je vais sûrement me taper la honte de ma vie, mais ça va être cool. C'est parti! Danse numéro 1. Et moi je sais pas, je fais des pas à droite à gauche. Mais elle est cool. Allez, on passe à la danse numéro 2. La danse préférée de Prodige, c'était la danse numéro 2. Et on passe à la danse numéro 3, qui va être un fiasco, je pense. Mais qui est drôle, qui est très très drôle. Ok, c'est parti! Yes! Là, t'as l'impression d'être dans une tribu Cheyenne. Et c'est parti pour la danse numéro 4. Celle-là, j'aime bien! Est-ce que c'est pas la danse la plus facile de l'univers? Je crois que c'est la seule que je vais vraiment maîtriser en vrai. Allez, on passe à la danse numéro... Je sais plus où on en est. Genre 4 ou 5. Je crois que c'est la 4. La danse du nude. Ça y est, je commence à plus avoir de souple. Et on passe à la suivante. Celle-là, c'est ma préférée du moment. Et on s'en fait une petite dernière pour la route. Soyons fous, la danse du zombie. Je sais pas si je fais bien le zombie. Je sais pas du tout si je fais bien le zombie, du coup je dis ça mérite. Une dernière des dernières quand même. Une classique. Non, pas une classique. Une pas classique. Non, plus de bras. Là, faut juste relâcher tes bras et faire n'importe quoi. Les gens, j'en peux plus. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Je vais prendre un peu l'air. Je viens de faire... plusieurs danses Fortnite. J'ai mon chat qui vient me tenir compagnie dans ce moment intense et ultime. Voir qu'il s'en va en fait. Voir qu'il n'en a carrément rien à faire. Que je sois crevée. Je suis pas du tout en tenue de sport. Je vais vous avouer que j'ai déjà tourné cette vidéo hier, sauf que le son était tellement pourri que j'ai dû la refaire. Donc là c'est ma deuxième édition, même si pour vous c'est la première. Je peux vous dire que j'en peux plus. J'en peux plus. Donc ce soir c'est reparti pour un petit montage des familles. Et elle va sortir ce week-end. Et ma réputation va s'éteindre. Je vais passer de des vovo youtubeuses kawaii qui aiment les Sims et créent des histoires toutes mignonnes à des vovo qui dansent très très mal sur Fortnite et qui se ridiculisent totalement comme si elle avait 5 ans. Merci du soutien, des énormes bisous et à très très vite.